il va nous falloir donc 6 tranches de pain de mie, 200 g de crème liquide, 100 g de comté préalablement coupé en petits morceaux, un peu de ciboulette préalablement ciselée, 2 œufs et une tranche de jambon. Nous allons commencer par tailler le pain de mie pour le croque-madame. Pour ce faire, on prend n'importe quelle pièce et on vient tout simplement détailler des ronds de pain de mie. Ensuite, nous allons tailler des ronds de même taille de jambon. Ensuite, nous allons mettre l'eau et le vinaigre à bouillir. Pour la crème comptée, nous allons mettre nos 200 g de crème à bouillir. Et lorsqu'elle bouillera, nous la verserons sur les 100 g de comté que nous mixerons. En attendant que la crème boue, nous allons verser nos dés de comté dans notre bol de mixeur. Ensuite, nous allons cuire nos œufs mollets. Alors, un œuf mollet est un œuf qui a besoin de cuire 6 minutes. Nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons poêler nos pains de mie avec du beurre. Il faut que le beurre soit très, très chaud et commence à prendre une couleur un peu noisette. Nos œufs, une fois rafraîchis, nous les débarrassons dans une calotte. Et nous allons commencer l'étape de l'écalage. Nous passons au dressage, c'est un moment fatidique. Donc pour ce faire, on prend notre pain encore tiède du poêlage. On vient disposer dessus nos tranches de jambon que l'on a taillées tout à l'heure. Et on vient comme ça interchanger du jambon et du pain de mie. Donc nous avons bien deux tranches de jambon par personne et trois tranches de pain de mie. Pour la suite du dressage, on va disposer la crème comté que nous avons mixée tout à l'heure. Chez vous, comme je rappelle encore une troisième fois, il est très important chez vous de le faire au dernier moment si vous n'avez pas la possibilité de la réchauffer. Et on vient en verser dans le fond de l'assiette. Et on peut terminer le dressage en venant disposer un œuf et on vient de parsemer notre ciboulette que nous avons ciselée avant de commencer notre recette. Ah, ça a l'air bon ça. Bon appétit. Bon appétit. À bientôt pour une prochaine recette.